Ici Philippe Darty, bon midi, mesdames et messieurs. Selon les plus récentes données disponibles, l'Abitibi-Témiscamingue compte 28 cas confirmés de contamination à la COVID-19, dont 4 sont hospitalisés. Tous ces cas sont centralisés dans le secteur de Rouyn-Noranda. Un paramédic d'ambulance Abitémis a été testé positif et est actuellement en isolement à la maison. Il se porte bien, selon ce qu'a précisé Desercom. Des démarches sont en cours pour retracer toute personne qui aurait été en contact avec ce paramédic et il est trop tôt pour le moment pour préciser s'il a été contaminé en contact d'un patient lors d'une intervention ou non. Au moment de la plus récente mise à jour des chiffres du Québec, en début d'après-midi hier, le total des cas confirmés s'établissait à 3430 cas à travers le Québec. Du côté de l'Ontario, la mise à jour s'est effectuée en fin d'avant-midi aujourd'hui et le total atteint désormais 1966 cas. Demain, ce sera le premier du mois et cette date est très significative pour plusieurs personnes dans la région qui reçoivent des prestations d'aide sociale. Pour beaucoup d'entre elles, il s'agira de leur première visite à l'épicerie depuis le début de la crise et on craint certaines réactions. La coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, Mme Jacinthe Marcoux, a le message suivant à adresser aux mieux nantis qui nous écoutent. Je demanderais aux gens qui ont les moyens d'attendre quelques jours, peut-être d'attendre justement. Moi, je travaille à temps plein. Je suis capable d'attendre la semaine prochaine pour faire mon épicerie. Bien, je vais attendre. Je vais laisser la chance à ceux qui ne pourront pas la faire la semaine prochaine de pouvoir aller remplir leur garde-manger. Puis moi, j'irai la semaine prochaine. Parce que là, on n'est pas dans une situation habituelle. Là. Tout le monde est dépassé par ce qui se passe. Essayez d'être très, très conciliant, s'il vous plaît, pour demain. C'est un peu le message qu'on aimerait passer là, pour demain. De plus, Mme Marcoux désirait aussi s'adresser à ceux et celles pour qui le premier du mois peut être la seule visite à l'épicerie de tout le mois. Si vous êtes capable de faire vos commandes en ligne ou par téléphone, ce serait bien. Sinon, soyez conciliant, s'il vous plaît, parce que ça se peut que vous arriviez à l'épicerie puis qu'il n'y a pas le produit que vous achetez tout le temps d'habitude. Essayez d'être conciliant parce que, justement, eux, les épiciers, c'est du monde comme tout le monde. Hein. Donc, ils essayent de faire leur possible. Mais à l'impossible, nul n'est tenu en ce moment. C'est vraiment une crise particulière que personne n'a jamais vécue. Donc, ils font tout leur possible. Le mot d'ordre, c'est la conciliation. Essayez d'être conciliant envers les autres. La Chambre de commerce Témiscamingue et la Chambre de commerce de Témiscamingue-Quipawa se joignent à la Fédération des chambres de commerce du Québec pour le lancement de la campagne « J'achète bleu ». Cette campagne, qui vise à soutenir les entreprises locales et le commerce de détail en ligne, a pour but de soutenir l'économie d'ici et d'encourager les entreprises québécoises en ligne. Enfin, Mme Carmel Adam, ancienne directrice générale et artistique de la Corporation Augustin Chénier, a été honorée à Val-d'Or dimanche en devenant récipiendaire du prix Hommage 2019 du gala Rayon C, qui vise à reconnaître l'implication des bénévoles, artistes, travailleurs culturels et organismes qui tissent la fibre du milieu culturel valdorien. Nous avons recueilli sa réaction et ses commentaires hier. Beaucoup de surprises, je m'attendais pas à ça et je le prends avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance. Je suis toujours étonnée par l'accueil et en quoi les gens de l'Abitibi, du Témiscamingue accueillent les nouvelles idées. C'est tout cet aspect-là de projeter vers l'avenir, vers le futur, tout ce côté-là de création. Pour moi, c'est qu'est-ce que je retiens en fait de cette ouverture-là, de m'accepter dans toutes ces communautés-là. Ce prix, bien entendu, venait reconnaître toute l'implication et l'impact qu'a eu Mme Carmel Adam dans le milieu culturel valdorien.